On est très heureux de cette manifestation à côté de Blois, Gomis-Autour, Centre-Val-de-Loire, Pays de la Loire. J'ai eu une très belle édition parce qu'il y a quelque chose de notable, et c'est toujours très chaleureux dans ces Gomis-Autour, c'est le rassemblement des générations. C'est une cuisine vraiment avec deux influences, influence, vous l'avez compris, française et philippine. Et l'idée, c'est vraiment de mixer tout le temps un ingrédient, un goût, une technique franco-philippine, mais dans chaque plat. Déjà, on tenait à remercier le Gomio d'être venu nous voir. C'est un honneur, hein, clairement, hein, d'apparaître dans ce guide jaune. J'ai repris cette maison iconique qui était portée par Madame Monsieur Vételli en 2016. Tous ces saveurs marines, toutes ces saveurs océaniques, mais véritablement, que j'essaye de transposer dans l'assiette. Je remercie Gomio de nous suivre, de créer ces événements. Il faut avoir l'énergie pour le faire. Cette énergie qu'il faut pour se déplacer de région en région, d'aller goûter, battre le terrain avec son bâton de maréchal. Donc je remercie vivement le Gomio. Rien n'est jamais aboutissement, même une recette n'est jamais aboutie. Merci au Gomio. Alors comment vous dire, être le parrain de cette édition, c'est beaucoup de fierté à porter cette région et à emmener un peu les jeunes autour de moi et les fédérer. On a besoin des guides aujourd'hui parce que faire une belle cuisine, c'est bien, mais il faut aussi qu'elle soit promue et puis il faut aussi qu'on soit repéré par rapport à nos talents. Et puis au fur et à mesure, notre cuisine, elle s'affine, elle se concentre. Donc le Gomio, c'est aussi une façon d'avoir un retour sur notre cuisine et d'avancer au fur et à mesure. Donc voilà, merci à toute l'équipe, merci à Marc Esqueré, merci à toutes les personnes qui butinent autour de ce Gomio et qui nous permettent aujourd'hui d'être présents. Et puis merci aux inspecteurs pour repérer notre cuisine et nous permettre d'avancer.